C'est temps, hein. Puis le temps que t'as la console. Quoi, je pourrais tout taquiner. Si, si. Bon. Moi, je vais faire un autre stream du coup. J'ai streamé sur Black Desert. Même pas préparé mes affaires. Black Desert Online. Pourquoi il l'a pas mis à jour ce con? J'ai rien préparé pour demain. Pourquoi il l'a pas mis à jour? Alors, attends. Je vais le changer à partir d'ici pour voir. C'est bientôt fini, non? Ouais, j'en ai une. Modifier les infos du stream. Catégorie. Black Desert Online. Okay. Ah, je t'ai pas dit, j'ai vu Monsieur Luparu. Ah oui, le mari de l'autre là. Ouais, lui, je le côtoie différemment, Monsieur Luparu. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, il était content de me voir. Il m'a dit, hey Amina, je dis, oh Monsieur Luparu, comment vous allez? Ça va bien? Toi, tu l'as pas vu, Luparu. Il a apparu. Ah non, c'est pas marrant ça par contre. Si? Non, c'est pas marrant. Les blagues qui sont marrantes, les tiennes sont pas marrantes en fait. Donc, il m'a demandé comment allait ma santé, ma grève, tout. J'ai expliqué, il m'a dit allez, vous. Et il savait pas que j'avais une structure en fait maintenant et tout. Comment ça, il savait pas? Il dit alors, du coup, bah non, parce que je l'avais pas vu depuis le premier confinement, t'as dit. Mmh. Ça fait un an et demi que je l'ai pas vu et ça fait un an. Écoute, ça fait un an. Ça fait un an aujourd'hui, Teddy, que j'ai ma structure. J'ai démarré. Ah bon? Ouais. Il m'a dit, bah du coup, vous, coach, dans les salles, vous avez tout arrêté, machin. Never stop seeking knowledge. Bien au contraire. Donc, je lui ai expliqué. Ah, il m'a applaudi, il m'a dit bravo Yamina, bravo. Comment ça, il t'a affiché? Ah oui, d'accord. Super. Ouais, ouais. Il m'a dit c'est vraiment une belle évolution et il m'a dit donnez-moi des cartes. Moi j'ai des clients parce que je suis médecin aussi. Mmh. Il m'a dit ça m'intéresse. Il m'a dit vous avez des cartes là? J'ai dit oui, j'ai des cartes. Et il m'a dit bah moi déjà je vais venir me faire masser. Je lui ai dit oh, bah si vous voulez, pas de soucis, monsieur le cartes. Qu'est-ce qui est pas possible? Bah parce qu'elle me dit méchamment en fait. Ah, tu penses? Et non, mais c'est pas possible. C'était dit très durement en fait. Ah bon? La seule chose qu'elle me dit, la seule chose qu'elle me dit, dès qu'elle a, je suis libre. Moi, je fais 15 ans plus de moi. Et elle me dit, ça c'est un bel, ça doit être un bon. Bonjour à tout le monde, moi, c'est la braderie. Tous ceux qui me disent.
bonjour, je leur dis bonjour et puis j'essaye d'être de bonne humeur et de faire genre je suis pas fatiguée ou je suis pas triste ou quoi que ce soit, moi je fais rien pareil. Mais pourquoi pense tout de suite au sexe? Bah, il y en a qui sont comme ça. Hein. Et elle m'a dit aussi, elle m'a dit c'est des beaux mecs, ça, ça, c'est des beaux mecs pour toi. Non, mais j'ai pas regardé si you shall discover a world that you didn't know of if you familiarize yourself with alchemy. Non, mais franchement, quand t'es concentré, t'es dans un travail, tu crois que tu regardes la gueule des gens? Bah, oui, moi, des fois, je regarde. Hein. Tu sais, quand t'es fatigué, tu t'es sensible. Je crois que c'est ce qui m'arrive en fait. Parce que après j'aurai mon mercredi, samedi, dimanche, lundi. Mais j'ai tous les mercredis après-midi, je travaille à la. Ouais. Non. Ça me fait un milieu de semaine l'après-midi. Je trouve que c'est une bonne idée. Ah bon? Ah oui. Je travaille mardi. Je reprends le mardi. Je travaille mardi toute la journée. Après le matin, mercredi, jusqu'à 12h30. Après, ben, je ne travaille pas, mais si je reprends. Et puis je travaille le jeudi, le vendredi, le samedi matin à 14h. Je pense que ça me fera du bien le mercredi après-midi tranquille. On est quand? On est vendredi. Le planning alimentaire de ma nouvelle cliente. Merde. Bah vas-y, fais-le. Hein. Je ferai une belle soirée. Mets-toi un rappel. Yeah.
prochain. Known as the Monarch of Darkness, Belmorn is the founder of the Shadow Knights. It's too dangerous for you to handle by yourself. Aiden went to Glish with Alustin to seek advice from some colleagues there. Mm-hmm. They said they'd find a way to prevent Belmorn's resurrection. I was told Gorgath is in Calphion. Ah non, c'est mon groupe, c'est toi qui quitte-le. Attends, je vais non, je peux pas déjeter les sons, ça va être bloqué. Attends, je vais voir si je t'éjecte, ça fait quoi. Non, si je te retire, c'est... Ah, peut-être supprimer, attends, si je fais supprimer. Voilà, c'est ça. Bon, alors... J'ai un petit peu joué comme ça là. Je vais le reprendre. Du coup, je refais une vidéo là sur Lac Déserte. Parce que bon. La première, elle était un petit peu embêtante. Et puis. Pas embêtante, elle était mal. Elle est mal tombée en fait. Parce que j'ai dû l'interrompre. Du coup, ben, là, je reprends. Donc, Lac Déserte, donc c'est MMO, RPG. Sandbox, donc bac à sable, c'est-à-dire que c'est pas aussi comment on appelle ça, pas structuré le mot, je voulais dire, c'est pas aussi chronologique que des MMORPG genre Neverwinter ou d'autres un peu plus, voilà, où on est obligé quand même de battre des monstres pour récupérer des items plus puissants et donc battre encore un monstre pour avoir des items plus puissants, ainsi de suite. Là, on est sur un RPG, on est relativement libre dans le sens où on peut faire à peu près ce qu'on veut, pas obligé de se battre contre des monstres pour avoir des items puissants, puisqu'il suffit juste d'augmenter de ses compétences et donc de gagner de l'argent, de par les missions qu'on fait ou de par les monstres qu'on... Enfin, les choses qu'on... les drops qu'on récupère et qu'on vend, ou soit en faisant du commerce ou de la pêche ou de l'agriculture ou de l'élevage, enfin, bref, voilà. C'est quelque chose qui vous permet donc de récupérer de l'argent, donc l'argent du jeu, forcément, et à partir de là de pouvoir après récupérer des items depuis un marché commun. Les gens mettent en vente, comme la plupart des MMORPG, mettent en vente leurs équipements. N'importe quel type d'équipement, que ce soit des équipements qu'on porte ou des matériaux, du bois, de la pierre, enfin bref, tout ce qu'on peut choper sur le monde, à peu près tout ce qu'on peut choper sur le monde peut être mis en vente au niveau de Black Desert. Et donc on récupère donc par la thune qu'on a chopée, de la façon que vous aurez choisi. Les équipements que vous voulez, ce qui fait que vous, avec un niveau 1, vous pouvez avoir un stuff beaucoup, enfin, beaucoup mieux, enfin je dis niveau 1 mais bon je me comprends, hein, au niveau du personnage, vous pouvez avoir un stuff en théorie qui serait beaucoup plus intéressant que celui que j'ai actuellement. Il y a pas mal de concepts à connaître dans le jeu. C'est pas un jeu qui est simple, mais au fur et à mesure où vous faites, où vous jouez, vous avez différents types de missions qui vous permettent justement d'appréhender l'univers de Black Desert. On a pas mal de classes, sauf que les classes sont genrées, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait vous avez vraiment vous n'avez pas la possibilité de choisir le sexe du héros que vous allez choisir. C'est soit c'est un, vous prenez un guerrier et c'est un homme, soit vous prenez comme moi j'ai pris la pirate là, c'est le corsaire et c'est une femme. Voilà, il n'y a pas de choix. Par contre, vous pouvez configurer, paramétrer ses caractéristiques physiques. Qui sont relativement bien poussés. Alors moi je me prends pas trop la tête, chose à vous à ce niveau là, je fais très peu de changements parce qu'après avec la manette c'est pas très très simple je trouve. Enfin, j'essaie de mettre un clavier souris sur la console, voir ce que ça fait, enfin bref, même de mettre une webcam, puisque si je continue de streamer c'est bien, ça serait bien aussi que les gens voient ma tête, voir un petit peu à qui ils ont affaire, enfin bref, ça c'est pour plus tard. Et donc Black Desert, c'est
me plaît dans ce jeu là, c'est qu'on est relativement libre de faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de forcément de combattre. On peut crafter, passer du temps à crafter, on a pas mal de compétences. Alors si on regarde dans les personnages, compétences, non c'est pas ça, c'est des combats ça. Personnages, informations. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on a la récolte, la pêche, la chasse, la cuisine, l'alchimie, la transformation. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez, je suis néophyte à chaque fois puisque j'ai pas fait suffisamment de, entre guillemets, de crafting pour augmenter là-dessus. Au niveau du combat, j'ai voilà. Alors le souffle, c'est à force de marcher, de faire les distances à pied en fait, on gagne du souffle. La force, je pense que c'est les combats, si je dis pas de conneries, je pense. Je sais pas d'où vient. Comment on fait pour augmenter la force à ce niveau-là? Est-ce que c'est le poids qu'on porte? Je sais pas. Donc les statistiques de combat, point d'action, point d'attaque, point de défense, type de combat corps à corps. Ouais. J'ai pas d'attaque à distance. Si j'en ai quelques-unes, mais c'est pas longue distance. C'est, je dirais. Courte distance, moyenne distance, à tout casser. Endurance, étourdissement, rigidité, gel. Prise, trébuchement, fauchage, repoussement, tout ça. Je pense que c'est mes compétences de résistance à ces. À tout ça. Donc, résistance à étourdissement de 20%, ainsi de suite. Bon. À confirmer. Je peux aller dans les détails ou pas? Non, je ne peux pas aller dans les détails. C'est quoi ça? Statistiques de combat. Personnage. Arme d'éveil. Ah oui, alors l'arme d'éveil, c'est à partir d'un certain niveau. Je crois que c'est à partir du niveau 50. 50, ouais, je crois que c'est 50. Ou 55, je sais plus. On récupère une arme d'éveil. C'est une seconde arme qui est un peu plus puissante normalement. Et qui nous permet d'avoir un enchaînement de combats différent, sachant qu'on peut switcher de l'un à l'autre. Ce qui permet des enchaînements relativement intéressants. Pour l'instant, j'ai pas sur ce personnage là, j'ai pas de personnage, j'ai pas d'arme d'éveil, mais j'en ai sur son personnage principal. Jean-Claude est sur un personnage saisonnier. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ouais, on peut pas. Voilà. Précision, esquive au corps, je pense que c'est esquive au corps à corps, esquive au. Je sais pas ce que c'est, réduction des. Je sais pas ce que c'est, et on peut pas. Aller sur la ligne en question, donc ça c'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu embêtant, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un peu dommage qu'on ait pas toutes les informations. Mais c'est vrai que pour le coup, on sait pas à quoi correspond certaines choses. Ouais, esquiva, je pense que c'est peut-être esquiva à distance, esquiva au corps à corps, mais réduction d'air, réduction c'est quoi? Réduction du dégât, mais c'est pourquoi il y en a deux du coup. Il esquive au corps et esquive au. Je sais pas. C'est par rapport à l'arme d'éveil. J'en sais rien. C'est à 0%, donc ça pourrait être ça. J'en sais rien. C'est pas dit. Alors attends. Stat de bonus, stat de bonus, quand ça s'applique, il y a certaines quêtes, journal de l'aventure, etc. Parce que le personnage atteint certains niveaux. Personnage bonus, enfin, même pas, on voit personnage, équipement autre, donc c'est bien beau de mettre un tableau, le problème c'est que si on peut pas lire les infos, c'est un peu embêtant, donc ça c'est aussi je pense le souci lié au portage sur console. Il y a pas mal de choses qui doivent être encore optimisées, c'est un peu dommage, mais bon, après personnellement qui s'y soucie. Bon, pas trop. C'est vrai que je suis pas encore à un niveau assez élevé pour me prendre la tête là-dessus. Hein. Je l'avoue clairement, je suis pas. C'est quoi lui les comptes? Pour le mieux service. Oh putain, la traduction.
lier votre compte sur page d'internet et le jeu. Ok. Traduction. Bon. Et donc là, c'est une corsaire. Donc, vous voyez son. Comment ils appellent ça dans son arme hein? Ils appellent ça comment? Serenaka. Est-ce que ça a le même nom à chaque fois? Serenaka. Ouais, c'est le même nom à chaque fois. Je n'ai pas un troisième? Et. Ben non. Ok, bon, bah, moi j'aurais dit un cimetière, mais bon, ça s'appelle ça Serenaka. Je ne connaissais pas. Donc voilà. Ça, c'est mon inventaire qui est bien sûr expansible avec les quêtes principales qu'on récupère. Donc, on ne pourra pas tout débloquer, c'est sûr. Ce serait trop simple, forcément. Mais après, vous pouvez choper avec des perles. Donc, les perles, c'est la monnaie du jeu. Donc, c'est le microtransaction. Vous pouvez débloquer après des emplacements supplémentaires pour le personnage ou pour votre coffre. Dans certaines villes, sachant que dans les villes vous avez quand même relativement pas mal de place si vous faites l'effort de louer des emplacements et de les convertir en espace de stockage. Donc c'est un moyen de le faire. Le problème c'est que c'est lié à votre point de... comment ils appellent ça? C'est lié au point de... c'est la contribution là, c'est le niveau de points de contribution et actuellement mes points de contribution sont à 6 282. Donc pourquoi j'ai si peu de points de contribution? C'est parce que j'ai pas mal de choses que j'ai récupérées, des clôtures, j'ai pas mal aussi de maisons que j'ai louées un peu partout, bien sûr les points de contribution se partagent de personnage en personnage. Donc bon, je continue à faire des missions pour augmenter ce niveau-là et peut-être pouvoir en récupérer d'autres. Il y avait des tutos sur internet qui expliquent comment farmer les points de contribution. Pareil, je suis pas assez à fond dessus pour suivre ces tutos et je pense que je suis surtout pas assez puissant au niveau de mes personnages pour le faire. Je vais peut-être pas me prendre la tête avec ça. Je vais avancer tranquillement. C'est pas le premier perso que j'ai. Hein. J'en ai 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 persos normaux. Bon, voilà, un niveau 50 à peu près. Je crois que c'est niveau 55. Ouais. Ok, donc niveau 55 et bon voilà, j'ai pas mal de bah voilà en fonction des classes, donc pas mal de filles et j'ai un mec, c'est un guerrier. J'ai trouvé un petit truc à grignoter avant de dormir. Ok. Fort, je suis à 203 pour tout le monde. Je connais pas. Et donc là, voilà, c'est joli. Ces menaces. Vous allez avoir dans le jeu des choix à faire. Ce ne sont pas des choix qui orienteront vraiment le jeu. Hein. C'est juste pour découvrir des histoires un petit peu différentes. En soi, c'est intéressant de les suivre. Donc, si vous faites des persos, pensez à changer à chaque fois le choix pour voir un petit peu les actions que vous avez. Ça vous permet aussi de voyager un petit peu dans le monde qui est relativement large. Brûlina, de Kama Sylve, on a aussi donné l'ordre. Elles créent qu'elles n'atteignent pas une fois qu'elles ont épuisé tout ça. Alors par contre, je vais juste changer l'emplacement de la barre de Twitch là.
sa gauche, même si vous ne la voyez pas. Moi, elle me gêne. Donc voilà. Donc point de contribution, je gagne 60 XP de contribution. Le problème, c'est que je suis même pas sûr que ça va s'ajouter à ce que j'ai déjà. Always keep in mind that you have to make a decision. Ok, donc on va continuer à suivre la quête principale. Un ami venu de Glitch. Donc Glitch, c'est un autre. Avoir trouvé les nagas. Je vais partir retrouver Korokatek à Kelfion, ce sera pas facile, mais je dois faire hein. Péril de ma vie. Toi, tu vas à Glitch avec Yas, quoi. Ne tu vas pour t'entendre également de sans aide, ok. Il va par là, il pourra t'aider. Ok. Alors, on va juste. D'accord. On va juste regarder. Donc, vous voyez, ça n'a pas augmenté ma contribution. Je suis toujours à 6 sur 282. Je pense que c'est parce que c'est le niveau que j'ai déjà fait. Et donc, ça ne se recrédite pas. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Je pense que c'est un parti pris pour éviter que justement les gens peut-être évitent de faire les quêtes rébarbatives, je dirais. Bon, ben écoutez, tant pis. On va voir, c'est un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il me propose lui? Amitié. J'ai pas beaucoup d'amitié, j'ai des quêtes. Pose des quêtes sur la gauche. Pièce de commémoratif de Glitch. Oh, l'amitié n'est pas, elle est pas si, si élevée. Hein. 50, 50, 10 et 500. Il faudrait que j'aie à peu près 610 d'amitié pour pouvoir tout récupérer chez lui en fait. L'amitié s'augmente au niveau du mini-jeu qui s'appelle la conversation. Plus vous connaissez de personnes en bas à droite là, plus vous connaissez de personnes et plus vous avez une possibilité de respecter les conditions, les objectifs. Donc en fait vous placez les personnages dans le logo, dans le dessin, en fonction de l'objectif qui est donné. Alors comme par hasard je l'ai activé, donc je vais vous montrer. Alors objectif, obtenir au moins 54 de faveurs accumulées de la part d'Enrico Mangini. Vous pouvez obtenir la faveur en réussissant à susciter l'intérêt. Alors, généralement, on suscite l'intérêt quand l'intérêt, le niveau d'intérêt est supérieur à notre personnage à gauche. Donc, on voit les infos. Intérêt 13, 14, 4, 13, donc c'est pas intéressant. Sachant que l'intérêt est moindre, pas sûr qu'on va cumuler. Par contre, on a un effet. Après deux tours, la faveur de conversation augmentera de 1 pendant deux tours. C'est intéressant de l'utiliser, lui. Et si possible, dès le départ. Après deux tours. Ou pendant deux tours. Donc c'est après deux tours et pendant deux tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que ça fait 6. Je crois qu'il fait 6, lui. Donc 1, 2, 1, 2. Donc faut que je le mette en premier ou en dernier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va attendre de mettre en premier, même si on va voir ce qu'ils proposent les autres. Intérêt suscité 100% 33. Niveau d'intérêt 9, 13. Ah, niveau d'intérêt 33, attends. Niveau d'intérêt 13. Niveau d'intérêt 33, et en plus, on va récupérer 33 à 100%. Donc lui, il est intéressant. C'est Joël, je vais me prendre un petit papier. Et je vais marquer ça. Alors. Joël, niveau d'intérêt 33. Joël, niveau intérêt 33. Et c'est à 100%. Il n'y a pas de combo. Puis à. L'intérêt est 27, donc le plus intéressant, et pareil on gagne 27, donc puis hier on peut aussi utiliser. Alors après 4 tours, la faveur de conversation augmentera de 3 pendant 3 tours. Donc déjà lui,
compétise en premier. Donc niveau intérêt, on est à 27 et c'est du 100%. En plus en bonus. Donc lui par contre, il est intéressant de le mettre en premier. Donc je vais mettre un petit 1 ici. C'est après 4 tours. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais mais attends, je me fais avoir là. Pendant 3 tours, mais c'est pas intéressant puisque si je le mets au début, on va pas gagner tant que ça. Donc on va juste l'utiliser, mais bon. Olivia, intérêt 20. Non. Intérêt 43, mais lui il génère rien. Après 4 tours, la faveur de contrat de 7 pendant un tour. Lui il est pas mal. 4, ça manque de 7. Donc les bios. Il ne gagne pas d'intérêt, mais il fait augmenter l'intérêt de la conversation. Donc les bios. Donc ça va être 1, ça va être en 2. Les bios. Niveau d'intérêt 43. Et bonus. On va le mettre en 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il m'en faut 5. Donc j'en ai déjà 3. Les bios. Ensuite on a Flaviano. Intérêt suscité 1. Niveau d'intérêt 1. Niveau d'intérêt 32. Intérêt suscité 32. Bon, si on a besoin, ça peut être intéressant. Siuta. Niveau d'intérêt 32. Ok. Ensuite, on a Tecton. Niveau d'intérêt 16, non. Niveau d'intérêt 44. Après 2 tours de faveur, de quoi ça augmentera de 8 pendant 2 tours. Il est pas mal celui aussi. Mais c'est qui là, c'est Tecton? Non, c'est Constante. 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 Donc, niveau d'intérêt 44. Bonus. Alors, on réfléchit, c'est après 2 tours. Donc, on va le mettre en deuxième. Et du coup, lui, on va le mettre. Puis, UA, on va le mettre en troisième. Non, je vais le mettre en troisième constante. Je vais laisser lui en deuxième. Et lui en troisième. 1, 2, 3, 4, 5. C'est moi, j'ai mis 5 persos. Alors, les bios, les bios, les bios. Et ah, ben, j'ai pas tout le monde en fait. Ah, ben, j'ai pas vu tout le monde. Bon, c'est pas grave, on tente déjà avec celui-là. Les bios, ensuite, on a dit. Puis il y a. Ensuite on a dit constante. Et ensuite on a dit indirectement donc Joël et Siuta. Et Joël. Et on lance. Oh là là, 35, c'est mort. Fallait atteindre 54. Faveur cumulée 35. Eh ben merde. Bon ben j'ai raté. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Même si j'ai bien fait mon truc, j'ai pas été aussi loin que je voulais. Il manquait pas mal en fait. J'ai peut-être dû regarder tout le monde. Though we have lost the war, it is not in the nature of Hydellians to lose pride. Il y a un boss qui va apparaître, mais moi j'ai pas envie de m'occuper de lui pour l'instant. Là, j'ai Kazarka à aller chercher là. Et clairement, vu tout ce que j'aurai chopé, alors, bon, la conversation n'a pas marché, donc ça me prend 2 points d'énergie. Et ça se recharge. L'énergie, on le voit. Là, c'est déjà rechargé. J'en ai 203. Despite being a formality, please cooperate on checking. Ça s'est rechargé assez vite. Et donc, ça recharge dans le temps, par contre. Ça, on peut le tester, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus. Enfin, on peut pas tout enchaîner, puisqu'à partir du moment où vous pouvez plus le faire.
Bon, c'est bien quand vous voulez un petit peu avancer pour faire des quêtes annexes, mais bon, au coup, moi je vais me limiter en restant à la quête principale. Sauf que la quête principale. Enrico. Allez, au bout de glitch, donc il faut lui parler. Objectif. Enrico. Oura. What brings you here? Looks like you've really moved up in the world. You've changed a lot too. Put that down so we can chat. It's drinking water for Glish. We're bringing it in from Heidel. I heard the water's contaminated. I bet it's the mudsters. Everything's gone to hell since Chief Denok disappeared. Can't you do something about it? You're the only one from our town who has any sway here. Well, it's hard enough just keeping the peace here in Heidel. I've got my hands full as it is. Anyway, the least I can do is speak with Instructor Kruhorn. Ok. Donc, j'ai confirmé la fenêtre, donc la quête accomplie. Men of Injustice may not step foot in Heidel. Parce que vous pouvez me passer ici, qu'est-ce que c'est que cette posture virile tout d'un coup. Ok, pour une contribution 20, bon bah pareil, hein, et je reprends ma quête principale là, et je vais donc aller à Glish. Contribution 120, mais le problème c'est que je vais pas les choper. C'est ça qui est dommage parce que justement, ça aurait été cool. Ça aurait été cool que je puisse en bénéficier, mais visiblement 282. Mais mon pourcentage augmente quand même là. Attends, j'ai un doute. Mon pourcentage a augmenté ou pas? J'étais à 55, encore 50-36. On va voir si ça augmente parce que j'ai l'impression que ça augmente. On va aller à Glish, donc on va... Alors, on a une course automatique, donc comme je suis sur manette, j'appuie sur le stick R et personnage court automatiquement, ça me permet déjà de pour lâcher la manette, de me poser tranquille, zut, tranquillement, et laisser faire le jeu. Alors bien sûr, le problème c'est que quand il y a des ennemis qui vous bloquent la route, ça traverse pas les ennemis, donc il faut se battre. Faut pas non plus dormir devant son écran, parce que pour peu que les ennemis soient un peu puissants, vous pouvez vite tomber par terre. Donc la carte de bloc déserte. Voilà, donc on voit un petit peu le chemin que je vais suivre pour aller jusqu'à Glish, pardon. Sachant que toute la carte. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai découvert avec mes autres personnages. Donc c'est pas forcément celui que j'ai actuellement, mais c'est sûrement le principal. Pour, on va dire 100% de la carte, c'est mon personnage principal qui l'a découverte. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, des choses que j'ai pas encore faites. Voilà, la carte elle est relativement grande. Il y a quand même pas mal de choses à faire, sachant qu'il y a aussi une possibilité après de choper un bateau et de partir sur les îles là. Donc, ouais, qui sont, alors là je suis pas sûr parce que je vois rien, mais à mon avis possible que ça se développe. Ici j'y suis allé par grâce à des bateaux de pêche qui ont un cycle de rotation, et donc je suis parti un peu partout dans des bateaux de ce type là, si je dis pas de conneries. On monte dedans et puis hop, ça nous emmène sur les différentes îles, sachant que vous pouvez aussi prendre un radeau, mais que le radeau bien sûr se désagrège avec le temps. Donc il faut être sûr de son radeau.
sûr de pouvoir se poser quelque part pour pouvoir le réparer. Sinon, et ben, sinon vous êtes bon pour la nage, et la nage, à moins d'avoir une bonne endurance, et ben, c'est la mort assurée. Donc là j'en suis où, la glitch? J'en suis pas loin là. J'en suis. Ah, mais je suis déjà arrivé. C'était rapide. C'est vite que je dois aller voir. Parler à César, ouais, César. Donc je suis à 50,36%, donc 282. Alors, si j'ai gagné mon truc. Donc 120 points d'expérience. Je gagne ici des camps. Qui sont un peu mieux quand même. Pas en 10 minutes. Okay. As long as I'm here, the safety of this village is secure. Qui se prend pas pour de la merde. Quête principale, les nagas aux ailerons rouges. Tu cherches de travail, j'ai une mission parfaite pour toi, les prix sont incessants, autour des glitches, ce croisement perpétuel, merandin, nous a signalé que des faucons, des airs avaient quitté leur territoire pour réassurer des nagas en conséquence. Les nagas attaquent des armées qui s'approchent de leur terre, tout cela est très néfaste. Pour le commerce perpétuel, à punir ces nagas. Donc là, j'ai 100 points d'expérience, de l'expérience et de l'expérience de compétences. Okay. Alors, c'est quoi les quêtes là? Liste de récompenses. C'est quoi ça? Ok, super. Alors. Ah, mais si, ça augmente, hein. Je suis à 53,02. Ah, ça augmente. Bah oui, bah, dès que je pense que dès que je serai à 100%, et bah, ça va augmenter. Ah, bah très bien, bah, on va continuer pour que ça marche. Bien sûr, après, j'ai trouvé des missions qui rapportent beaucoup de contributions. C'est le but de la manœuvre. Bon, bah visiblement, je pensais que ça faisait rien, mais en fait, si. Alors, un exemple, si je vais le voir lui là. Voilà, j'ai une quête ici. Il propose de l'optimisation. Bah oui. Donc là, c'est une partie du jeu, ça vous permet d'optimiser les choses que vous avez. Mais je vais pas la faire, hein, puisque. Pas tout de suite, je vais avancer d'abord et puis après on verra. J'espère juste que j'ai pas fait la connerie de vendre mes équipements. Pas le fournier, je crois que je dois avoir un cheval ici. Non, j'ai pas de cheval. J'ai deux Aedel, j'en ai un à Velia. Lui, je sais pas, j'arrive pas à voir. Si je vois sur l'écran, c'est Velia aussi. Garde de poste de Garde Ouest et Altinova. Altinova, ok, d'accord. Titre d'info, on peut créer un ranch et faire croiser, faire s'accoupler ses chevaux. Donc ça va quand même relativement loin au niveau de l'élevage. Donc je ne l'ai jamais fait encore, mais bon. Alors, j'ai ma mission qui est là-bas, on le voit avec les deux puits de lumière ici là. Et on le voit sur la carte en haut à droite avec le rond jaune. Et les ennemis que je dois abattre, on les verra, voilà. C'est ceux qui sont en jaune et ceux qui ont donc le logo objectif de quête. Alors, moi j'aime bien la corsaire puisqu'elle a des attaques qui sont relativement puissant. C'est dynamique avec ses attaques. Alors, comment faire les attaques? Vous avez sur le côté, donc
personnages, une liste de, d'attaques que je peux faire automatiquement tout de suite. Donc, B. Voilà. Ensuite, il y a un cooldown, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Ensuite, il y a quoi? Il y a RT. Voilà. Il y a LT et X. Voilà, donc c'est ce que je disais, l'attaque à distance, loin de distance. On a LS et RT. LS et RT. Voilà. On a LT et RD. Voilà. Et on a LD. Donc ça, c'est l'attaque de base. Et on a LS en avant et LD. Voilà. Je peux finir avec lui. Voilà, c'est bon. Sachant qu'il y a d'autres compétences. Découverte au hasard, sachant que la liste des compétences actives elle est dans le menu compétences. Je vais vous remontrer tout à l'heure quand j'aurai fini ce niveau, parce que là il va pas arrêter de m'enchaîner en fait. Alors lui je peux récupérer. Ah non, je peux plus, il est trop tard. Ah, ça c'est Bilou, ça. Petit Bilou. C'est connecté. Ça aurait bien qu'elle son petit peur. Un genre de grappin pour se rapprocher des adversaires. C'est vraiment pas mal, ça donne un petit côté vraiment dynamique au jeu. Le nombre d'émissions de fraude que j'ai fait. Fraude, c'est marrant. Ça c'est une esquive qu'on peut faire, mais bon après j'ai un cooldown. Je vais pas le faire quand je veux. Voilà, ça que je pars et que je reviens pour sortir un petit peu de la zone un peu chaude. Voilà, je pense que côté dégâts je suis pas trop mal. Bien sûr, j'ai pas encore d'enchaînement bien spécifique, ce qui fait que pour l'instant je fais vraiment des combats très simples. C'est à force de. À force d'utiliser le personnage que je me fais mes propres enchaînements et pour l'instant voilà, je suis comme 24, donc je t'écoute un peu. Ce qu'elle fait comme dégâts, comme attaque, tout ça, des choses intéressantes, en cooldown, tout ça. Je suis pas trop
ces combats. Enfin, j'ai gagné un coup. Il y avait un autre que j'avais chopé, c'était genre tu plonges dans le sol et j'arrive pas à le refaire, faut que je retrouve le... Je sais combien là, 70. C'est bon, j'ai tout buté. Tous les finir là. Et je vais récupérer les drops. Ils sont partis. L'esprit occulte. On va invoquer l'esprit occulte, mais je vais pas l'invoquer d'ici parce qu'il y a trop d'ennemis. On va le faire. Je risque relativement rien. Voilà, c'est ce que j'attendais, voir s'ils allaient venir jusqu'à moi, mais non. Cave de emplacement, donc ça va me rajouter un ou deux emplacements en fonction de ce que j'en reçois comme cadeau, donc un ou deux emplacements plus dans l'inventaire, hein, ce qui est là où c'était verrouillé, donc là ça va me les déverrouiller et ça je sais pas, voilà, c'est donc une place d'inventaire et ça c'est quoi, point de compétence 3, et comme je suis au maximum, ah non je suis pas au maximum, non je suis pas au maximum, c'est donc pas de soucis, et perte de morale, donc voler leurs armes. Si nous parvenons à mettre la main sur les flûtes orbitaires des Naga, les gens de passage seront plus en sécurité, n'est-ce pas? Donc là, pareil, 120 XP et ça me donne une boucle d'oreille. Je peux optimiser, alors pareil, l'optimisation forcée. Donc là, ils sont intéressantes, mais bon, le risque est relativement. Dans le marché commun, en choper quelques-uns et puis essayer de les optimiser au mieux. Je suis pas encore sur l'optimisation, donc je vais pas me prendre la tête avec ça, clairement. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Donc là, je récupère mon. Vous voyez ici, j'en ai 4 en bas. Hop, je déverrouille. Là, j'ai le 5e emplacement qui s'est déverrouillé. Qu'est-ce qu'on a là? Les camps sont mieux. Je vais donc le prendre. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'équipement ici, non? Il n'y a pas un item d'équipement? Non, même pas. Fini la tenue brumeuse, la fabrique pour ma rue, et les renards doués de parole qui la secouent sur le mont léger. Avec les pierres de Cafras. Impossible. Hein? Appuyez sur le bouton du menu, puis sur optimisation. Quoi? Optimisation. Attends, optimisation, c'est pas là-dessus, là? C'est quoi qu'il faut? Pierre noire de novice.
plusieurs cerveaux en son méthode d'entraînement pour les apprentis forgerons. Cet objet peut être utilisé pour utiliser une arme grâce à l'esprit occulte. Durabilité diminuera de 2 points en cas d'échec d'optimisation. D'accord, donc ça s'appelle les pierres noires de Lovis. Ok, je suis pas sûr d'avoir des pierres noires de Lovis. C'est quoi ça? Ah, c'est les nagas, ça. 26 trouilles. C'est quoi ça? Lomistique? C'est quoi ça? Puis sera pour tout à l'heure l'un des objets suivants. Avec la chance que j'ai, j'aurai sûrement une pierre de cron ou des trucs comme ça. On va essayer. Fragment de mémoire. Fragment de mémoire, si je dis pas de conneries, ça permet de redonner un peu de durabilité perdue à un item qui en aurait perdu face à suite à une optimisation ratée. Alors, j'ai deux épaulières. Voler la lance de l'apprenti lancier des nagas. Lanceur naga. Objectif lanceur naga. Lanceur. C'est des pierres noires que j'ai. C'est pas des pierres noires des débutants, hein. Des novices. Donc, du coup, je prends pas trop le délire en fait.
niveau 26. Bon, déjà, je peux récupérer le coffre au niveau 25. J'ai encore pas mal de monde à aller chercher. Je vais pas aller chercher trop loin non plus. Oh, il y en a derrière. Là, ce que je vais faire. Ok, je vais débuter un certain nombre de mecs. Non, ça va se simplifier. Oh, trop content. Attaque par derrière. Il y a quelques-uns par là. Ça y est, j'ai tué. On va fuir comme un lâche. Comme un lâche qu'on est. Avec lui. Ok, donc faut que je bute le chef des Naga, visiblement. Vaincre le commandant de Naga des Marais. Il y en a visiblement 3. Ah, c'est ça qui sont sur les. Faut savoir que on a des familiers. Les familiers nous permettent aussi de pouvoir dropper, enfin doter sans avoir à se prendre la tête dessus, parce que les loot disparaissent à partir d'un moment, hein, forcément. Quand on a un familier, c'est pas mal. Mais familier se fatigue, il faut le nourrir. Et donc pareil, il faut créer de la nourriture pour nourrir le familier, tout comme le cheval, tout comme. Thank you.
ces envahisseurs. Bon, on a un boss. Ok. Donc j'ai les connaissances, bon, je vais aller PV, y'a pas de soucis. 120, ok, ok, ok. Ah, ben voilà. Ben voilà. Ça me permet de pouvoir augmenter les trucs. Petit bonus quand même, pour pas que ça traîne trop non plus. Les ennemis ici là, je vois deux points rouges. Ah c'est ça. C'est quoi ça? Tiens. Alors qu'est-ce que j'ai comme item de boost? C'est quoi ça? C'est la boucle d'oreille. Le poisson là, le poisson frit, il est où? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vitesse de déplacement plus 1. J'avais ça là, c'est quoi ça? Chance de butin 100%. Allez. C'est vraiment ce que je voulais, mais bon. Invoquer son monstre. Clic droit, oui, c'est bon, je suis pas sur PC. Hein. Votre soit occulte, on va ouvrir. Faites utilisation pour démarrer l'optimisation. Ok. Le principal de la rue au niveau plus 1 ou supérieur et équipé là pour accomplir votre quête. Okay. Donc, on invoque l'esprit occulte. On sélectionne l'optimisation. On choisit le Serenaka, donc c'est la grosse épée. Et la pierre noire, il n'y en a qu'une seule. Cliquez sur optimiser. Et équipez-vous de l'arme. Si vous possédez déjà une arme de la plus 1, niveau supérieur, il vous suffit de l'équiper pour ranger la caméra. Comme ça, si jamais les gens l'ont déjà fait, ben. Voilà. Donc là, ça commence à entrer les notions d'optimisation d'armes. Je suis déjà avec l'esprit occulte, donc je vais faire l'optimisation directement.
Serena Katnari. Ok, donc on est obligé de se le déséquiper. Je le mets dans l'option. Là, il me choisit directement la pierre noire et je fais optimiser. Alors, normalement, l'optimisation, si je dis pas de bêtises, ça fonctionne. C'est. Comment on appelle ça? Ça marche à 100% à partir de jusqu'à un certain niveau. Alors après, comme ça, c'est des personnages saisonniers, je ne sais pas si ça respecte la même règle. Mais voilà, vous voyez qu'ici, on est à 100% de réussite, donc je ne risque pas d'avoir un échec. Donc je sélectionne et je fais. Ah d'accord, je ne l'ai pas mise. Si, je l'avais mise. Optimisation, pardon, c'est Y. Donc, j'appuie sur Y, donc 100%, on a une détermination. Voilà, donc là, on est resté à 100%. Donc, je pense que c'est pareil. Je pense que c'était à plus 5 ou plus, je sais plus combien. Voilà, donc là, j'ai optimisé mon arme. Donc, Amanda, pourquoi Amanda? Parce qu'elle n'est pas. 100% de son 100% de son de sa résistance. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas le bon truc. Extension d'inventaire plus 1. Donc pareil, hein. On est en inventaire et on récupère là. Voilà. Et donc là, est rempli. Faut qu'il est préoccupé. Ok. J'ai un meilleur équipement. Tu pourras affronter les équipes plus fortes, mais tu dois te souvenir d'une chose importante. Pour la plupart des équipements, plus le niveau d'optimisation est élevé, plus les chances de réussir l'optimisation sont faibles. Ce qui est logique. Donc on passe à l'équipe principale suivante. Éveil. C'est important, étant donné que je suis mort tellement de fois sur du PVP, ça me démoralise. Enfin bref. On va retrouver Eden. T'as le mec, il est loin quand même, il m'a entendu d'aussi loin. C'est incroyable. Une sacrée houille, hein. Là, j'utilise pas le. Automatique puisque je prends des petits raccourcis. Je vais direct faire le faisceau et je suis pas les chemins, donc c'est pour ça que. Tête c'est un. 4 en. On va appeler ça un tir 4. C'est un niveau assez élevé. Je pense que le plus élevé c'est le PEN. Donc niveau 5. Tir 5. Je crois qu'il est là. Il n'y a pas trop de soucis de localisation, sauf certains niveaux où on ne donne pas tout forcément les informations, mais il suffit de, je pense, de chercher un petit peu et on peut trouver ce qu'on cherche en fait. Saw the artifact.
Ah, Aidan. Même pas, il sort l'épée de son fourreau, quoi. T'es mal gars. Il fout la rage. Tiens. Tiens, force de flamber. Saved with that artifact. The power is that of destruction, not of salvation. Ok, alors, où est-ce qu'il est mon puits de lumière? Tiens, la flèche bleue là, quelque part là. Ouais, il est là-bas. Bon, hop. Est-ce que j'ai une pioche? J'ai pas de pioche. Équipement pour le choper plus tard. Et là pour l'instant j'ai pas assez de puissance pour le faire, mais effectivement ça me plairait bien de l'avoir, ce petit équipement. Ça
thinking of making Naga capes. Men will surely like them, won't they? C'est celui-là. C'est ce test-là. Mais bon, j'ai pas encore assez de puissance, donc ça attendra. Point de contrib, hein, ouais, c'est pas très intéressant comparé au 120 qu'on avait la dernière fois. Là, que 20 points d'expérience, c'est un peu dommage. On va le faire quand même. Alors, parler à Lionel Rich. Lionel Rich. Lionel Rich. Passé ou pas, j'ai dépassé. Et il est où? Attends. Ah, il est là. Il est là, riche. Il paraît me proposer une mission, lui. Il me propose une quête. Un effet positif, bénédiction. Doctrine Elionienne 50. Je ne suis pas déçu, je ne les connais pas vraiment. Vous devriez apprendre plus sur d'un si vous parlez aux fidèles. The residents here walk the path to penitence through me. Elion. Ah oui, d'accord, Elionienne, d'accord, Elionienne, d'accord. Donate un oublié. Je sens pas surprenant, ils ont causé beaucoup de choses avant Elion. C'est pas plus, si tu parles fidèle, tu vas peut-être en apprendre davantage. Ouais, 20 XP, hein, c'est pas intéressant ça. Oh, quand même de l'amitié, tiens. 20 d'amitié. Would you like to know the doctrine as well? Alors, il y a quelqu'un ici. Proposer une déglish. Alors déjà avec Donat. Dire si tu veux vraiment savoir. T'as un autre joueur qui attend à côté, tu entends la lumière sur le carrefour. Centrale de la ville, tout ce qui apparaît le plus en histoire avec tes autres coureurs. Je suis sûr que les autres. Que tu cherches. Ok. Une déglish. De faire ressurgir le passé, pourquoi les gens sont écorcés, je ne comprends pas cette vision me hante. Toutes les nuits, je revois Fréaro figé la couverture de sang. Il a survécu, mais ça tombe la marque de cicatrices béantes. Et c'est pas seulement physique. Observe donc le chef Fréaro, attentivement, et pendant qu'on est blessé, infligé par Donat, alors qu'il sombre dans la folie. C'est un calvaire de me remémorer ces heures sombres, je t'en parle. On pense qu'il prend par métier pour le prêtre Lionel. Lionel Richard. Ok. Il est mort, qui à vrai dire, elle a disparu, sinon je me rappelle ce qu'il est fou. Déclaration de guerre. Oui, vous avez des guildes, vous pouvez partir en guerre. Personnellement, j'ai pas de guildes et ça m'intéresse pas les guerres. Je suis pas trop fan de PVP, mais bon. Des fois on y est obligé. Ne serait-ce que pour... quand il y a des zones de farm, il y a des gens qui sont pas très ouverts sur le fait de partager la zone, donc ils vous attaquent ouvertement.
Si vous êtes assez puissant, vous pouvez gagner le combat. Sinon, comme moi, vous perdez. Donc c'est un peu chiant, mais bon. C'est le PVP. Ah, il est complètement sur les personnages. Monsieur tous, ça va commencer à éviter le chef tonate. C'est ça le problème, c'était juste après l'explosion. Tu m'as encore pratiqué sur la lune des méchants. Confirmer la fenêtre. Alchimiste. Ah oui. Attends, on va voir s'il y a vraiment des cicatrices. Ah, on peut le voir ou pas? Oula, je suis parti trop loin. Ouais, non, il est juste de vie en fait. Attends, est-ce que je fais ça? Ah. Cal a perdu son miasme toxique. Ah, ça c'est le boss ça. Alors. Calista m'a... De Tokalista m'a parlé. Cicatrices sont un peu perturbantes. Hein, ah, je ne ressens plus la douleur. Ouais, je veux pas de cicatrices, mec. Non, je veux pas de cicatrices. Alors, continue. Oui, c'est vrai, nous vivions. De notre côté, autrefois, nous avons dû abandonner. Sans quand il faut qu'on soit arrivé. En fait, c'était le chef à l'époque. Ce que nous avons suivi sur le coup. Quoi? Son subit sera un jour connu, qu'est-ce que tu penses? Tu cliches. Ok, bon, quel principal, le secret du dépôt souterrain. Non, non, pas villageois préfère ne pas les affronter puisqu'il n'y a pas le choix. Toi, t'as succombé à la puissance occulte. Et après, il a disparu. C'est la seule chose que. C'est un tas de problèmes à régler. Votre appel de là en toi. C'est pourquoi je vais te montrer quelque chose. Pas que tu suis la même voix que Donat. Tu ne joueras pas mon ami trop vite. J'espère que tu comprends ce qui t'a poussé à agir ainsi. C'est un alors, il faut aller où là? Ah, mais je crois qu'il faut descendre ici. Non, faut pas descendre. Parler à César. Pourquoi tu n'es pas venu ici directement? Tu es venu ici, c'est tellement. Ce n'est pas facile, il y a sa confiance. Alors, enquêteur. Pour les pauvres publics, j'ai quelque chose d'argent, c'est ton droit, enquêteur. C'est tout ce que je peux dire, tu peux t'en aller désormais. Ouais, je vais m'en aller. Oh, comme ça. Alors faire cette action-là coûte. Eh, j'ai échappé quoi? Je pense que j'ai rien. Ah oui, tiens, parlons de ça. J'ai ce coffre à ouvrir. Alors, ces petits poissons-là permettent d'augmenter la barre d'énergie, la barre de, de mana et. Et quoi? Il s'exprime de santé. Souffle. Voilà le souffle. Donc la force. Ah, mais c'est peut-être ça qui augmente la force alors. Donc là, on m'a. On s'en dit, je suis à 803. Voilà, là je passe à 813. Donc c'est pas de beaucoup, mais on voit que ça monte quand même. On a dit que c'était le souffle. Alors le souffle, on va voir combien je suis sur le souffle.
Alors, voir combien je suis sur le souffle, ces personnages, mes informations. Souffle, on est à. Ah, d'accord, niveau 12. Super. Y a pas d'autre chose? Ah, c'est nul ça, sérieux. Attends. Non. Je peux les choper celle-là? Attends. Détail sélectionné. Je peux pas les choper. Record. Ah oui, c'est parce que c'est des. Ça, c'est le truc que j'ai déjà pris ça. C'est avec mes autres personnages. Voilà. Ah, attends, le niveau 60. Oh, putain, ouais, ça me donne quoi? Anneau de Tuvala. Là, il est en 5, donc il est en peine, là. Putain, c'est pas mal leur truc, là, disons. Ah, ok, d'accord, bon bref, n'importe. Bon, le souffle, on a dit niveau 12, bon, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr qu'on le verra tout compte fait, puisque forcément, comme il n'y a pas de valeur numérique. Celui-là, le souffle, hein. Non, ça c'est la force. Ok, d'accord, ça n'a rien fait. Et lui, c'est quoi? C'est la force. Pareil, à mon avis, je dois avoir on a dû augmenter, mais pas beaucoup. Tiens, c'est marrant, pourquoi je vois ma barre de vie une deuxième fois en bas? C'est quoi ce délire là? C'est moi qui l'ai choisi? C'est marrant ça. Bon, bref. Attends, j'ai chopé quoi comme. Je crois que c'est tout ce que j'ai chopé. Bon, on est beau. Alors, il y a rien ici. Là, il y a des caisses. Mais on peut pas les fouiller. Ah, regarde, on peut voir pas. Ouais, super, j'ai rien chopé. Oui, il y a quoi ici? Ah, ça me fait coffre au trésor. Putain, mais c'est chiant, j'ai plein de clés et en fait ça me sert à rien. J'ai jamais réussi à ouvrir ces coffres malgré les clés que j'ai qui sont en or ou en argent. Ah, j'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'était. Laisse tomber. J'ai pas chopé, j'ai pas vu ce que c'était. Et ouais, les coffres, j'ai jamais réussi à les ouvrir, donc je sais pas pourquoi. Ça merde, je sais pas si c'est un bug ou c'est un truc comme ça, mais c'est un peu démoralisant parce que il y a pas mal de coffres. Ah, ça discute ici. Ok, on va arracher Renio. Une petite vidéo. De l'acupuncture. Il est encore vivant, putain. Didn't you say you were good at this sort of thing? I guess this is the perfect time to
show off your talent. Hold up a second. What? What is all this? What the hell did you do? You see it too? Recorded every part that seems suspicious. Now all that's left is the investigation. C'est marrant, c'est même pas ce qu'il a dit en fait. Aiden told me that there would be some leads here. It was true. Ah oui, carrément. Merci pour ton aide. 60 points d'XP, bon, c'est un peu plus, mais c'est toujours pas les 120. Bon, on voit qu'on monte dans le niveau, dans le jeu, parce qu'on gagne beaucoup moins d'expérience. Il faut aller où, là? Trouver la trace de Donat dans les ruines de Glitch. Alors, voilà, les ruines de Glitch... Oula, j'ai un boost de déplacement, là. Ouais, pendant 2 minutes. Ouais, je cours super vite là. Jimmy Summers. Ah ouais, ici c'est là qu'on chope les... les pierres boueuses là. Il y a une zone de farm ici là. C'est le seul endroit où on peut choper ça. C'est un peu chiant d'ailleurs. Saloperie, putain. Mais il s'est tombé, on l'a oublié. Ouais, il a oublié. Mon Dieu, qu'il est laid, hein. You don't even know what's in that chest. Just give up your false belief. Do not be such a fool. With this key in my hands, the entire world will be under my control. You've lost your mind, man. Think so. We shall see about that. Cool, ça. Do not try to stop me. Behold, this power that will save us all. Wow. 22h en jeu, d'accord, ok. Qu'est-ce qui va confirmer la fenêtre? Il faut que je ressorte du truc là? Sérieux? Je vais passer par là pour me prendre la tête. Allez, saute. Saute la petite, saute.
Il y a des dégâts de chute. Alors, faut pas exagérer non plus, hein, quand on se passe à tel hauteur, on le prend cher. Là, visiblement, ça va. J'ai pas forcément de dégâts. Alors. Ah oui, j'ai perdu mon boost de vitesse, ouais. Ça se voit tout de suite. J'ai plus ma course bionique. Je vais courir automatiquement, ça me saoule de maîtriser le personnage là. Vas-y, dépêche-toi. Voilà. Je pense que j'ai pu retrouver la raison. Aiden told me that there would be some leads here. It was true. Livre le testament de Donata Freyharo. Ah, je gagne 30% d'amitié avec Freyharo, mais c'est pas mal ça. Parce que je crois que là, normalement, il donne des. Regarde, connaissance, effet positif, quête, égotique. À faire là pour être son pote. Je crois que lui il y a un truc avec le journal d'alchimie. Par contre l'effet positif il est en double, je sais pas si c'est un bug ou pas ça. C'est bizarre. That we go through are bound to show, always. D'où est l'histoire? Il est juste à côté. L'histoire, tu me demandes de l'accompagner, il est juste à côté, mec. T'as besoin un peu, je trouve. Encore une vidéo. In order to resurrect Belmorn, the monarch of darkness, they'll need a specific kind of soul to use as a host. A soul of true purity. Oh? Does that mean me? But who might be a host? The Grand Chamberlain of Heidel. He's a bit different from ordinary souls. Gordian Dukas? He visited us here once before. His hatred towards Calpheon seemed all too pure. He'd make a perfect vessel for the Monarch of Darkness. Oh, this is really bad. I'll go tell Aiden, all right? Le seul sujet d'arrêter Belmorn avec qu'il dispose de toute sa force. 20 XP, on va pas avoir 20 XP, on est redescendu. Alors observez. Un bilan de 12 sommes. Il a été envoyé à Calpheon, il est au place de la Jardine. Ce Jardine n'aura pas d'autre choix que de risposter. Et quand il se arrivera, le chevet des ombres tenteront de s'emparer du pouvoir. Tu vas devoir observer ce qui arrive. Alors je remarque que tu as un invité. Hein? C'est Jardine. Ah ouais, d'accord. Caroline.
juste un mec qui regarde sur mon dos, quoi. Normal. A toothless old lion of a leader, and stragglers full of sorrow and misery who've lost everything. Who do you believe is to blame for all of this? I am determined to free Serendia. I won't allow the old men to play with and sacrifice the lives of its citizens. Ah, ils ont sacrément, enfin, ils ont travaillé bizarrement quand même. The day will soon come when I finally separate the eagle's head from its withering body. Ah ben voilà, ça devient intéressant là. En plus, j'ai gagné un casque. Non, c'est des chaussures. A toothless old lion of a leader, and stragglers full of sorrow and misery who've lost everything. Who do you believe is to blame for all of this? Je vais faire quoi? Écouter l'histoire de la Jardine. Ah, merde. The day will soon come when I finally separate the eagle's head from its withering body. Calphéon. If we take things one small step at a time, we will eventually find ourselves living in a world that we've always dreamt of. Lorraine. Ok, un placement d'inventaire, ok, pas mal. Bon, c'est un placement d'inventaire, c'est déjà ça. J'ai deux emplacements d'inventaire, ça c'est pas mal ça. Et alors j'ai des chaussures, deux emplacements. Ah non, c'est quand tu as libéré deux emplacements. Comment ça? Il y a un genre qui est tout là-haut là. Hardcore, Family, Draculan. Ouais, c'est pas mal ça, Draculan. Enfin bref. Okay. Faut que j'aille où là? Fabriquer. Attends. Parler à Grâce Lorraine. Tiens, merde, voilà. Effectivement, on voit ici, il pleut. Alors, je sais pas comment c'est sur PC, mais bon, visiblement, texture du ciel, elle est un peu... Oh putain, je l'ai fait musclé, mon perso, moi. Ah ouais, putain, je l'ai fait musclé, dis donc. On voit ses abdos, tout ça. Bon, bref. Sans d'expérience. Bien.
artiste. Bon, il est déjà 2h du matin. Je vais devoir y aller. Donc, je reprendrai une autre vidéo plus tard. Plus tard dans la journée. On va avancer un petit peu plus sur ce jeu. On va voir ce qu'on peut choper. Alors, je suis à combien là? Je suis à 85% au niveau de la contribution. Ce qui fait que je vais sûrement récupérer un point bientôt. Attends, j'ai un truc à choper là, c'est quoi? Attends, Pierre. Ah ben voilà. Voilà qui est intéressant. De l'or et de la pierre brute. La pierre brute, ça sert en plus pour faire, je crois, de la poudre noire, là. Si je dis pas de conneries. Bon. C'est encore un truc qu'on verra plus tard. Là, pour l'instant, je vais monter mon personnage. Pareil, niveau 50. Je verrai si j'ai monté niveau 60. Mais déjà, je vais monter sur le niveau 50 et puis on va voir ce qui va se passer. Donc là, je vais m'arrêter. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Salut.